Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, en ces jours de commémoration, nous avons tous en mémoire la haute parole de Patrice Emery Lumumba, s'adressant au peuple congolais le 30 juin 1960, jour de la proclamation de notre indépendance. En substance, il a affirmé que, je cite, « c'est par la lutte que l'indépendance a été conquise. C'est fait une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous a été imposé par la force. » Ironie de l'histoire, 62 ans après, le roi Philippe, roi des Belges, les rejoint en soutenant, je cite, « le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. » Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par les paternalismes, les discriminations et les racismes. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. » Fin de citation. Les regrets du roi Philippe ont été entendus, mais ça ne suffit pas, car il s'agit des crimes contre l'humanité qui requiert pardon, justice et réparation. Du côté congolais, il est nécessaire, comme les Belges l'ont fait chez eux, de mettre en place au Congo une commission sur le passé colonial belge afin d'engager des pourparlers avec la Belgique et repartir sur des bases solides. Congolaises et Congolais, dans ces contextes, soutenir aujourd'hui que, je cite, la porte d'entrée en Europe, parlant de l'Europe diplomatique, politique et des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde, ou si elle est fiévreuse par rapport à la RDC, toute l'Europe la suivra. Fin des citations. C'est faire preuve des méconnaissances de la géopolitique mondiale, des complexes des néo-colonisés et des dénis de mémoire. Une telle soumission volontaire est une insulte au combat héroïque mené par nos pères de l'indépendance qui, cela doit être dit, ne se sont pas battus pour rien. Quand on ne sait pas, on cherche à s'informer. Le passé est la racine du futur. On n'oublie pas le passé. On s'en sert pour bâtir l'avenir. Enseigner notre histoire, c'est donner à nos enfants les clés de l'apprentissage du temps. Tous les Congolais doivent connaître l'histoire de l'esclavage, celle de la colonisation, les cheminements de Simon Kimbangu, tout de la lutte héroïque et douloureuse pour l'indépendance, les soubresauts de la Première et de la Deuxième République, les drames liés à la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda, l'Ouganda et les Burundi. On doit enseigner à nos enfants comment les Congo, fidèles aux traditions ancestrales, a accueilli les Rwandais et les Ougandais contraints à l'exil parce que fuyant les guerres interethniques dans leurs pays respectifs. On doit aussi leur enseigner les circonstances de la naissance de la Troisième République, ainsi que tant d'autres faits qui ont émaillé l'histoire de notre pays. Congolaises et Congolais, 62 ans après l'indépendance, la RDC patauge dans un catastrophique surplace existentiel. Elle est devenue la risée du monde et sa voix ne pèse plus sur le chiquier régional et international. Depuis un quart de siècle, maintenant, ces institutions sont illégitimes, infiltrées et affaiblies. Notre pays est maintenu dans une situation permanente d'occupation, d'instabilité et d'insécurité afin de pérenniser les pillages de nos ressources naturelles en s'appuyant sur certains pays voisins bien identifiés. En effet, ce n'est plus un secret que toutes les guerres imposées aux Congolais depuis 1996
sont des guerres fomentées par le Rwanda et l'Ouganda. Et le peuple congolais paye un lourd tribut pour avoir offert son hospitalité à des voisins fuyant la guerre interethnique chez eux. Cet état de choses est malheureusement facilité par la complicité de certains compatriotes. C'est ainsi que, par les biais d'élections truquées qui étouffent la libre expression de la volonté du peuple, le prédateur de nos richesses, des connivences avec leurs complices congolais, empêche l'émergence d'un leadership légitime et patriotique. L'agression dont nous sommes victimes actuellement nous interpelle, et avec nous toutes les consciences du monde. Nous devons rester unis derrière nos forces armées et ne pas céder aux intimidations et aux provocations de tout genre. La RDC compte plus de 450 tribus, composées des Congolaises et des Congolais, d'égale dignité, désireuses de vivre en harmonie dans l'unité et la concorde. Il est temps que la communauté internationale, qui avait facilité l'accueil de ces réfugiés chez nous, prenne ses responsabilités aussi. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi doivent-ils sortir leurs troupes militaires du Congo? Il est aussi temps d'exploiter le rapport mapping de l'ONU et d'en donner une réponse adéquate en instaurant un tribunal pénal international pour le Congo. Congolaises et Congolais, au sujet de l'intégration de notre pays à la communauté d'Afrique de l'Est, il s'y est de rappeler que le Congo n'est pas un pays d'Afrique de l'Est, mais d'Afrique centrale. Par conséquent, on ne peut en aucun cas accepter la tentative de partition de notre pays telle que préconisée subtilement dans les communiqués du 20 juin 2022 sanctionnant le troisième conclave des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. En effet, les communiqués précisent que, je cite, « Les chefs d'État ont délibéré sur la situation sécuritaire prévalant à l'Est de la RDC et sur les mesures visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans l'Est de la RDC et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. » Fin de citation. Notez avec nous la supercherie, le développement dans l'Est de la RDC et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. Nous ne sommes pas dupes. Prenons conscience qu'un pays digne de ses noms ne peut sous-traiter sa sécurité et sa défense.